Chers élèves, bienvenue dans cette séance que nous allons consacrer à une activité de lecture de l'acte premier, scène première du bourgeois gentilhomme. Alors prenez votre pièce et lisez cette scène. C'est bon, vous l'avez fait? Très bien. Alors essayez maintenant de situer le passage. Vous avez situé votre passage. Maintenant, nous allons ensemble rédiger cette situation. Alors, la situation du passage. Donc, il s'agit d'une scène d'exposition. Une scène d'exposition, c'est une scène qui se trouve au début de la comédie ballet. Donc, vous avez déjà vu la comédie ballet quand vous avez préparé l'entrée dans l'œuvre. De la comédie ballet du bourgeois gentilhomme. Comédie ballet, le bourgeois gentilhomme. Alors, cette comédie ballet, le bourgeois gentilhomme, écrite par Molière et représentée pour la première fois. En 1670. On est au XVIIe siècle. Donc, prenez cette mise en situation et passons maintenant à l'analyse de cette scène. Maintenant, nous allons définir la fonction d'une scène d'exposition. Alors, comme vous le constatez, une scène d'exposition a une double fonction. D'abord, il doit donner les renseignements destinés à la compréhension de la pièce. Alors, ces informations ou ces renseignements, c'est les personnages, le lieu où se passe l'action, le temps, l'intrigue et le temps de la pièce. Est-ce que ça va faire rire, ça va faire pleurer ou autre chose? Mais tout ceci en suscitant l'intérêt du lecteur. Alors, Molière parvient-il à susciter l'intérêt du lecteur dans ce passage? C'est ce que nous allons découvrir ensemble en analysant le passage. Alors, la scène se passe où? C'est dans la maison de M. Jourdain. Regardez la première didascalie qui compose sur une table un air que le bourgeois a demandé pour une sérénade. Donc, on est dans la maison de M. Jourdain, le bourgeois. Qui sont ces personnages qui sont présents? Alors, regardez, c'est le maître de musique et le maître à danser. De quoi parle-t-il? Ou de qui parle-t-il? Il parle de M. Jourdain. Est-ce que M. Jourdain est présent sur scène? Non. On parle de lui à la troisième personne. Alors, regardez, dans la réplique de maître de musique, la première réplique. Il vous reposez là en attendant qu'il vienne. Dans une autre réplique de maître de musique, vous allez l'entendre avec le dialogue. Quand il viendra, il ne tardera guère. Donc, la dernière réplique de maître à danser, le voilà qui vient. Donc, le maître à danser annonce que le bourgeois est en train de les rejoindre pour parler de cette sérénade et aussi d'autres choses qu'il a demandé à ses deux maîtres de lui préparer. Alors, comment le maître de musique et le maître à danser trouve M. Jourdain?
Quel est leur point de vue concernant M. Jourdan? Alors, regardez dans les répliques de chacun. Donc, pour maître de musique, il a dit, nous avons trouvé ici un homme, comme il nous le faut à tous deux. Ce nous est une douce rente. Donc, ça veut dire que M. Jourdan représente pour les deux maîtres une source d'argent, pour gagner de l'argent. Alors, plus loin, regardez. Qu'est-ce qu'il représente aussi pour le maître de musique? Il est vrai qu'il les connaît mal, mais il les paie bien. Et c'est de quoi? Maintenant, nos arts ont plus besoin que de toute autre chose. Il connaît mal les arts, donc c'est quelqu'un qui n'a pas de goût. Alors, cherchez aussi plus loin et vous allez constater qu'ils ont un point de vue négatif concernant M. Jourdan. Donc, ce M. Jourdan, qui est personnage principal, et d'habitude, il est censé être présent. Donc, regardez au tableau. Alors, tout à l'heure, les deux personnages étaient en train de parler de M. Jourdan pendant son absence. Et c'est eux qui nous ont dressé son portrait. Qu'est-ce qu'ils font chez M. Jourdan? Pourquoi sont-ils là? Ils sont là, en fait, pour lui donner des leçons. Leçons de musique et leçons de danse. Parce que M. Jourdan veut ressembler à des nobles, à des gentilshommes. Donc, il doit apprendre la musique et la danse. Mais comment sont-ils ces deux maîtres? Sont-ils intéressés par M. Jourdan ou par son argent? C'est ce que nous allons voir. Alors, on a ici deux maîtres artistes qui sont partagés entre argent et art. Le premier, le maître de musique est intéressé par l'argent de M. Jourdan. Il dit qu'il est vrai qu'il les connaît mal, mais il les paie bien. Il connaît mal l'art, mais il est capable de payer ses leçons. C'est pour cela qu'il s'intéresse à lui. Contrairement à maître à danser, il est peu idéaliste. C'est vrai, à la fin, il va accepter l'argent de M. Jourdan, mais il trouve un supplice assez fâcheux de se produire à des sons, comme M. Jourdan. Lui, c'est quelqu'un qui fait son art pour être reconnu par son public. C'est pour cela qu'il est touché par la reconnaissance de son art et il dit dans ce sens, les applaudissements me touchent. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater? Qu'on a ici deux portraits opposés. L'un aime l'argent, l'autre, il est un peu idéaliste. C'est vrai, à la fin, il accepte l'argent, mais quand même, il reste idéaliste. Mais seul l'intérêt qu'il porte à M. Jourdan et à son argent qui va les rassembler. Et c'est ce qui va créer le comique dans la scène. Donc, on a deux types de comiques. Le comique de situation, c'est ce contraste entre le langage précieux de maître à danser lorsqu'il parle de son art et celui de maître de musique lorsqu'il s'intéresse à l'argent. Donc, il est un peu réaliste et il parle de l'importance de l'argent pour lui. Mais ce qui, bien sûr, va faire rire le public ou le lecteur, c'est ce décalage entre un langage précieux et un langage réaliste, presque terre à terre. Chers élèves, bonjour. Bienvenue dans cette activité de langue qui va porter sur les pronoms relatifs. Alors, observons ensemble ce corpus. Oui, c'est un air pour une sérénade que je lui ai fait composer ici. Ne m'en parlez point à travailler pour des personnes qui soient capables de sentir les délicatesses d'un art. C'est un homme, à la vérité, dont les lumières sont petites. Alors, comme vous le constatez, ce sont trois phrases
qu'on a relevé dans le premier passage que nous avons étudié dans l'activité de lecture, le bourgeois gentilhomme, acte premier, scène première. Alors, observez bien ces phrases. Qu'est-ce que vous constatez? Dans la première phrase, on a employé le pronom relatif simple « que ». Dans la deuxième phrase, on a remplacé le pronom relatif simple « qui ». Et dans la troisième, on a utilisé « dans ». Alors, quel est le rôle de « que », « qui » et « dans » dans ces phrases? Alors, regardez. Oui, c'est un air pour une sérénade que je lui ai fait composer. En fait, cette phrase est le résultat de deux phrases indépendantes. Oui, c'est un air pour une sérénade. Je lui ai fait composer ici cet air pour une sérénade. Donc, pour éviter la répétition, on a remplacé le mot qui se répète ou toute cette phrase qui se répète, c'est un air pour une sérénade, par que. Alors, quelle est la fonction de cette phrase ou de cette expression qui est remplacée par que? Je lui ai fait composer cet air pour une sérénade à la fonction COD. Donc, le que, c'est un pronom relatif qui remplace un complément d'objet direct. Donc, regardons maintenant la deuxième phrase. Qui? Ne m'en parlez point à travailler pour des personnes qui soient capables de sentir les délicatesses d'un art. En fait, cette deuxième phrase aussi, c'est le résultat de deux phrases. Alors, la première phrase, ne m'en parlez point à travailler pour des personnes. Ces personnes sont capables de se sentir ou, pardon, de sentir la délicatesse d'un art. Donc, pour ne pas répéter les personnes capables, voilà, voilà, on a remplacé par qui? Donc, les personnes qui sont capables de sentir la délicatesse d'art à la fonction sujet. Donc, le qui ici remplace un mot répété ayant la fonction sujet. Regardons maintenant la troisième phrase. C'est un homme à la vérité dont les lumières sont petites. Encore une fois, c'est le résultat de deux phrases. Donc, la première, c'est un homme. Les lumières, dans la deuxième phrase, les lumières de cet homme sont petites. Donc, pour ne pas répéter cet homme, on a les lumières de cet homme, on a remplacé par don. Donc, le don remplace un mot répété qui a la forme de plus non. Alors, ce de plus non, soit qu'il peut être un complément de nom ou d'adjectif, ou ça peut être aussi un complément d'objet indirect. Alors maintenant, passons à la définition d'un pronom relatif simple. C'est quoi un pronom relatif simple? En fait, c'est un mot outil qui sert soit à éviter la répétition, à relier deux propositions ou deux phrases et à donner plus de précision. Regardez cette phrase. Je fais les visites de lieux habituels que les touristes aiment. On pourrait s'arrêter sur « je fais les visites de lieux habituels ». Mais nous, on voulait préciser plus de quel lieu s'agit-il. Il s'agit de ces lieux que les touristes aiment. Donc, le pronom relatif donne plus de précision à ce que nous voulons préciser. Donc, prenons la définition ensemble. Donc, un pronom relatif... Définition. Un pronom relatif, et bien sûr, ici, on parle des pronoms relatifs simples, sert à relier deux phrases ou deux propositions. Deux phrases et à ne pas répéter, à ne pas répéter, un nom ou un pronom. Un nom ou un pronom. En donnant plus de précision. Chers élèves, passons maintenant à un exercice d'application. Lisons la consigne.
complété par le nom relatif qui convient. Qui, que, dont, avec qui. Alors la première phrase, voilà les amis, j'ai rencontré hier. La deuxième phrase, vous avez trouvé un hôtel, vous plaît. Troisième phrase, je suis un guide, vous pouvez discuter. La quatrième et la dernière phrase, nous allons assister à ce spectacle, je vous ai parlé. Prenez votre temps, complétez l'exercice. Ça y est, vous avez fait l'exercice, très bien. Corrigeons-le ensemble. Donc, voilà les amis que j'ai rencontré hier. Pourquoi le que? Parce que j'ai rencontré les amis, donc le mot ami a la fonction complément d'objet, donc je le remplace par que. Vous avez trouvé un hôtel qui vous plaît. Alors l'hôtel vous plaît. Donc l'hôtel a la fonction sujet, on l'a remplacé par qui. Passons à la troisième phrase. Je suis un guide avec qui vous pouvez discuter, parce qu'on discute avec une personne. La dernière phrase, nous allons assister à ce spectacle dont je vous ai parlé. Donc, je vous ai parlé du spectacle. Donc, on a deux plus, non? C'est pour cela qu'on a remplacé par don. Merci pour votre attention. Niveau tronc commun. Module 4. Étudier une comédie classique. Support, le bourgeois gentilhomme. Acte 3, scène 4. Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on va voir l'acte 3, scène 4 de la pièce de théâtre Le bourgeois gentilhomme. Nos objectifs sont identifier les relations entre les personnages et leurs caractères, repérer les procédés du registre comique dans l'extrait. D'abord, il faut se rappeler de ce qu'on a déjà vu dans les séances dernières. Quel est le genre littéraire du bourgeois gentilhomme? Exactement, c'est une pièce de théâtre. Quel en est l'auteur? Effectivement, c'est Molière. Quelle est la forme du texte du bourgeois gentilhomme? La forme du texte, c'est un dialogue en prose. Et dernièrement, de combien d'actes se compose la pièce? Exactement, la pièce se compose de 5 actes et un ballet. Maintenant, on passe à la situation du passage. Madame Jourdain est-elle satisfaite de la vanité de son mari? Effectivement, Madame Jourdain n'est pas satisfaite de la vanité de son mari. Comment est le comportement de Monsieur Jourdain alors? Son comportement est ridicule. Alors, ce qu'on a dit, Madame Jourdain. Alors, ce qu'on a dit, Madame Jourdain n'est pas satisfaite du comportement de son mari. Ainsi, elle critique son comportement ridicule qui provoque des moqueries
du voisinage. Je répète, Madame Jourdan n'est pas satisfaite du comportement de son mari. Ainsi, elle critique son comportement ridicule qui provoque les moqueries du voisinage. Voilà. Derrière moi, l'intitulé ou bien le cadre général de cette activité. Alors, cette leçon, bien ce cours, est destinée à nos chers élèves du tronc commun, toutes options confondues. Bien évidemment, lettres, sciences expérimentales et biof également. Le module, c'est le quatrième module, c'est votre quatrième et dernier module, le bourgeois gentilhomme, comédie ballet et Jean-Baptiste Poquelin, Molière, 1670, ça veut dire le 17e siècle. L'activité, c'est une activité de langue, de grammaire, et qui dit grammaire, règle, exception, un petit peu problème pour certains élèves. L'objectif, ou bien notre tâche, qu'est-ce qu'on doit réaliser vers la fin de cette activité, ou bien qu'est-ce que vous devez retenir, ce sont les figures de style d'analogie. Ainsi, deuxième objectif, identifier le sens implicite. Je ne vais pas parler des figures de style, je crois... Je suis sûr que pas mal d'élèves parmi vous ont déjà eu l'occasion d'entendre les figures de style, mais à travers le support que je vous ai préparé, on va parler davantage et on va définir qu'est-ce qu'une figure et ça veut dire quoi, analogie. Le sens, le deuxième sens, le sens implicite également, c'est un objectif qu'on va un petit peu l'atteindre à travers l'analyse, à travers, si vous voulez, le scanner de ce petit support que je vous ai préparé. Alors, maintenant, la première question qui se pose, qui dit figure de style automatiquement des littératures. Et puisque vous avez une pièce de théâtre, on ne peut pas parler d'un support littéraire sans évoquer les figures de style. Déjà, vous avez figure, ça veut dire image, et style, ça veut dire la manière avec laquelle on écrit, et même ça rentre dans une autre spécialité, à savoir la stylistique. Alors, pour plus et davantage d'explications, regardons ensemble, observons le premier support. 1. Alors, on va essayer de lire ensemble ce qui est déjà écrit au tableau et au fur et à mesure, on va voir exactement les indices qui peuvent nous aider à trouver l'objectif. Alors, Coviel est rusé comme un renard. Ou bien, Coviel est rusé tel un renard. Coviel est rusé, pareil à, identique à, semblable à. Le sens implicite, ça veut dire quoi le sens implicite? Chers élèves, et c'est quand vous remarquez Coviel, nous avons deux parties. Nous avons Coviel et nous avons le renard. Et si je vous pose la question suivante, Coviel, vous savez très bien que c'est un personnage de la pièce ou bien de la comédie ballet Le Bourgeois Gentilhomme, et c'est le valet de Cléante qui est l'amoureux de Lucile. Mais Coviel, en tant qu'être humain, qu'une personne, quelle est sa relation avec le renard qui est un animal? Alors, si vous remarquez très bien et vous lisez, le point commun entre ces deux, disons deux objets, Coviel et renard, et si vous avez l'adjectif rusé, et là vous posez peut-être la question, ça veut dire quoi? Rusé, ça vient du mot la ruse. Hein? Donc, la ruse, c'est une intelligence excessive, c'est le fait d'être malin. Donc, le renard, il est rusé, c'est-à-dire, il arrive à ses buts d'une manière indirecte et ingénieuse. Alors, cette première phrase, quand on parle de figure de style, d'analogie, ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle une comparaison. Et vous avez un indice clair que vous avez tous, le moyen de comparaison le plus célèbre, c'est quand. Donc, nous avons comparé Coviel a un renard. Ça ne veut dire pas que Coviel est un renard, mais que le renard et Coviel ont des points communs, à savoir la ruse, l'intelligence et la maligne. Le sens implicite, ça veut dire quoi le sens implicite? C'est-à-dire, qu'est-ce que nous voulons véhiculer comme message à travers cette première phrase? La réponse est très simple. Coviel est rusé comme un renard, c'est-à-dire, on va mentionner ensemble, le sens implicite, ça veut dire quoi implicite? Ça veut dire le sens caché. Donc le sens caché, c'est-à-dire que Coviel, est une personne intelligente.
ingénieuse. Ça veut dire un génie. C'est bon? Donc c'est ça le sens implicite. Et quand on parle de littérature, généralement, chers élèves, ce qui pose problème pour pas mal d'élèves, c'est que des fois on comprend la phrase, mais le sens implicite n'est pas donné à tout le monde. Et ce qui pose problème, ce sont les figures de style. Et le premier type de figure de style le plus facile, c'est les figures d'analogie. Alors, deuxième phrase, Nicole est une machine. Ah là, on se pose la question ici, mais monsieur Nicole est machine? On se pose la question, que veut dire Nicole et machine? Rassurez-vous, chers élèves, dans ce cas-là, il s'agit d'un sens implicite, caché, connoté. Nous voulons dire tout simplement comme sens implicite que Nicole, c'est-à-dire que Nicole, machine, synonyme de quoi? Tout simplement d'un travail dur. C'est-à-dire que, on ajoute ici, que Nicole travaille durement, ou bien travaille durement, ça veut dire d'une manière dure. On peut même dire qu'elle est, disons, résistante, hein, parce que la machine résiste aux effets de temps. La dernière phrase, la maison dormait encore. Regardez avec moi, s'il vous plaît, la maison dormait encore. Si je vous pose la question, quels sont les mots qui posent un petit peu problème? Certainement, et sans trop réfléchir, vous allez me dire, monsieur, qu'est-ce qu'il fait la maison à côté du verbe dormir? Et la maison ne peut pas dormir. Donc, qui peut dormir? Bien, le sommeil, c'est l'être humain. Dans ce cas-là, on parle d'un troisième type de figure de style. Mais avant de vous donner le nom de la figure de style, ou bien de dévoiler le nom de la figure de style, on doit quand même répondre à cette question qui est le sens implicite. Tout simplement, la maison dormait encore, c'est-à-dire les habitants qui sont à l'intérieur de la maison, ce sont eux qui dorment encore. Alors, on écrit le... voilà, c'est-à-dire... que soit les membres de la famille, hein, la maison dormait encore, ça veut dire les membres de cette famille dormaient encore, soit les habitants de cette maison dorment encore, ou bien dormez encore. On va employer l'imparfait, dormez encore. Dormez encore. Et voilà, donc maintenant, après avoir répondu à la première question, nous devons quand même donner le nom de chaque figure de style. Alors, première figure de style, vous savez tous, c'est une comparaison, parce que nous avons un comparé, un comparant, sans oublier l'outil de comparaison. Dans ce cas-là, on parle de la comparaison. Donc, c'est une comparaison. C'est le premier type des figures de style d'analogie. Deuxième phrase, Nicole est une machine. Si nous comparons un petit peu la première de la deuxième phrase, regardez, vous avez ici l'auxiliaire être, également l'auxiliaire être, l'absence de quoi? L'absence d'un outil de comparaison. Et dans ce cas-là, si vous avez une comparaison indirecte, ou bien une phrase qui ne contient pas un moyen de comparaison, sans doute et sans trop réfléchir, chers élèves, il faut être sûr et certain et répondez avec la métaphore. Donc ici, nous avons la métaphore. Donc premier type, c'est la comparaison. Deuxième type, c'est la métaphore. Et le troisième type, la maison dormait encore. Donc qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons emprunté, nous avons donné, si vous voulez, une caractéristique qui est le sommeil. Ça veut dire quoi le sommeil? Ça vient du verbe dormir. Hein? Le sommeil, c'est une qualité humaine que nous avons donné à un objet qui est la maison. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ce qu'on appelle la personnification. Donc c'est le troisième type de figure d'analogie, la personnification.
Et voilà, chers élèves, tout simplement et grosso modo sans trop parler, reconnaître les figures de style d'analogie. Si je vous pose la question suivante maintenant, vous allez lever la main en toute confiance, messieurs, c'est la comparaison, la métaphore, la personnification. Est-ce qu'il y en a d'autres figures d'analogie? La réponse est oui. On va la noter par la suite dans une petite synthèse, c'est ce qu'on appelle l'allégorie. Alors, je vous invite à faire des recherches sur cette allégorie. C'est un processus de symbolisation. Mais n'oubliez pas que, quand on dit figure de style d'analogie, il faut mentionner quatre types de figures de style. La comparaison, la métaphore et la personnification. Maintenant, après avoir analysé ce premier support, nous allons passer pour écrire une petite synthèse sous forme d'une règle à retenir. Alors, nous étions, chers élèves, après avoir détaillé l'analyse de support numéro 1 qui contient trois phrases simples et faciles à comprendre. Nous avons relevé trois types de figures de synergie, à savoir la comparaison, la métaphore et la personnification. Maintenant, on va passer pour l'essentiel à retenir, c'est-à-dire la règle qu'il faut utiliser, et la suivante. La première des choses, c'est le mot analogie. C'est-à-dire quoi, analogie? C'est un rapport de similitude, c'est-à-dire le verbe similaire. Mais par exemple, ce marqueur-là, pardon, on dit ce marqueur-là est similaire à celui-là, ça veut dire qu'il y a des ressemblances, il est identique à. Donc, similitude, il y a une ressemblance entre deux éléments. Ça peut être objet, comme ça peut être des personnes. On dit par exemple sa manière de parler ressemble à la manière de parler de la cousine, par exemple. Le sens implicite, c'est-à-dire quoi implicite? On dit d'une manière implicite, ça veut dire caché. C'est un sens qui n'est pas exprimé clairement et que le lecteur doit identifier, comprendre, selon sa capacité et selon ses représentations, bien sa propre interprétation. Alors, un sens implicite, je répète, c'est un sens généralement qu'on trouve dans tous les textes littéraires et que vous devez chercher en tant que lecteur, et évidemment, en se basant sur le contexte, vous devez déchiffrer, comprendre, relever ce petit sens qui est généralement caché. Qu'est-ce qu'une figure de style? C'est un procédé. Qu'est-ce qu'un procédé? C'est un moyen. Ça veut dire quoi un moyen? Ça veut dire un outil. Stylistique, c'est une, si vous voulez, une discipline, c'est une science qui s'intéresse un petit peu à la beauté d'un texte. Style, chacun de nous a un style d'argument, un style de pensée et un style d'écriture qui nous aide à rendre ce que l'on veut dire plus explicite. Alors, par exemple, si je vous dis que j'aime dans l'air, le message est clair, parce que pour tout le monde. Mais or, si je dis par exemple ma mère, si vous voulez, est la lune de ma vie. Hein? Regardez, j'ai comparé la lune, j'ai comparé ma mère à la lune, ça veut dire la lune, c'est quelque chose qui est très grand, c'est quelque chose qui est belle. Donc, les figures de style de Z à bien s'exprimer, si vous voulez, à frapper l'interlocuteur. Maintenant, la deuxième partie de l'essentiel à retenir, c'est la définition de qu'est-ce que la comparaison et qu'est-ce que la métaphore. Facilement et rapidement, les figures d'analogie sont 1. La comparaison. Qu'est-ce que la comparaison? C'est un moyen stylistique, comme je viens d'expliquer, qui consiste à comparer deux éléments à l'aide d'un moyen de comparaison. C'est obligatoire, comme nous avons vu dans le premier support, soit comme, soit à l'aide de, soit de la A ou soit de A. Et ensuite, la métaphore, c'est une comparaison indienne, moi je l'appelle, mais sincèrement, c'est la voisine, c'est la cousine de la comparaison, sauf que la seule différence, c'est que les deux, ce sont des comparaisons, sauf que la métaphore, sans le type, et sans, alors là, les comparaisons indirectes, sans le type, on peut effacer même, hein, sans le type de comparaison. Donc, je répète, une comparaison indirecte, sans le type de comparaison. La personnification, c'est le fait de donner, d'attribuer des caractéristiques humaines, timidité, courage, volonté, à un objet ou un animal, autre chose. Comme le troisième exemple, la maison dormait en ombre. Alors, chers élèves, c'était le cours d'aujourd'hui, la séance de grammaire préservée pour vous, mais je compte sur vous pour faire des exercices chez vous, via la maison, en se basant sur le quatrième module, essayez de relever des comparaisons, des métaphores, sans oublier la personnification. Mais une remarque à ne pas oublier, attention, quand on parle de figures de style d'analogie, il n'y a pas que trois. J'insiste, il y a une autre type de figure de style, à vous de faire la recherche, appelée l'allégorie. Donc, j'espère que cette leçon va vous donner un plus, va enrichir un petit peu.
spatiale. Et je répète, c'est le premier type de figure de style le plus facile. Il y en a d'autres qu'on va découvrir à travers d'autres vidéos. Merci infiniment pour votre écoute, pour votre attention. Et je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo, Inch'Allah, si Dieu le veut. N'oubliez pas, je vous aime, bon courage et bonne chance.